Lumière du monde, lumière du monde, amour brillant, prenons nos péchés sur tes épaules, tu brises à la nuit quand tu fus ressuscité. Tu parcours la terre et sauve les perdus, tu quittes à ton trône pour gagner les âmes, tu nous conduis quand nous appelons ton nom. Seigneur, fais ta volonté, ton royaume sur ta terre comme au ciel. De liberté, Jésus selon ton nom. La vérité, le chemin et la vie. Ta grâce a vaincu nos faiblesses. Le combat gagné, Jésus, t'es ton amour. Et toi, le Dieu qui sauve. Plus fort, nous élevons ton saint nom plus haut. Dans ta lumière encore plus fort, nous élevons ton saint nom plus haut. Dans ta lumière encore plus fort, nous élevons ton saint nom plus haut. Dans ta lumière encore plus fort, nous élevons ton saint nom plus haut. Alléluia. Ça commence à donner, donner, comment dire, chaud au cœur pour pouvoir toucher le cœur de Dieu davantage. Amen. J'ai encore envie de chanter, mais on va faire des bisous. On va se saluer les uns les autres avant de préparer nos cœurs pour la Sainte Cène. Amen.
On va accueillir Aurore bien bien fort. Elle va nous aider à préparer nos cœurs pour la Sainte Cène. On l'applaudit bien bien fort pour l'encourager. Fini les bisous. Bon, ça y est. On va prendre notre Bible dans le livre des psaumes. Et on va lire le chapitre 8, psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Pour confronter tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Waouh! Ton nom est magnifique. Mais pourtant, il se souvient de l'homme. L'homme qu'il a créé à son image. L'homme qu'il a créé très peu inférieur aux anges. Mais hélas, qui est tombé. Comme on le voit dans le livre des Genèses, l'homme a choisi de se rebeller et de quitter donc la présence, sa présence, alors qu'il nous avait créé pour cela. Il nous avait créé pour qu'on ait vraiment cette communion à tout instant avec lui. Et on a quitté cette présence. Mais Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu se souvenait de l'homme parce qu'il l'aimait. Par amour pour cet homme qu'il avait rempli de son amour, il a envoyé son fils unique, son fils Jésus, naître dans une étable. Alors que chacun de nous ici, même le plus pauvre qu'on puisse être, n'est pas né dans une étable. Lui, il a envoyé son fils qui a quitté sa gloire pour venir vivre naître dans une étable. Et souffrir ici, et encore pire, mourir à la croix. Mourir à la croix, qui est la pire des morts. Et c'est ce qu'il a fait par amour pour chacun de nous. Il s'est souvenu de chacun de nous, de l'homme insignifiant que nous sommes à côté de sa grandeur, à côté de sa majesté, à côté de sa gloire. Il s'est souvenu de chacun de nous, par amour. En pensant à ce verset, je me disais, Seigneur, mais est-ce que par moment je n'oublie pas ce que tu as fait? Tu as envoyé ton fils unique pour moi, par amour. Oui, c'est ce que tu dis dans Jean 3,16. Tu as tant aimé le monde que tu n'as pas hésité à envoyer ton fils, afin que chacun qui puisse ressaisir, qui puisse vraiment accepter cette mort et cette résurrection surtout, puisse devenir enfant de Dieu. Mais il y en a beaucoup dans le monde qui ne l'ont pas encore fait. Mais comment ils vont le devenir? C'est grâce à chacun de nous. En se souvenant à tout instant de ce sacrifice. En n'oubliant jamais ce sacrifice vraiment qui n'a pas de prix. Parce qu'on a tant de valeur à ses yeux. Et que partout nous puissions aller,
partout où nous installe, que nous puissions être vraiment les gens qui reflètent Jésus. Qu'on puisse être ses yeux, qu'on puisse être ses pieds, qu'on puisse être sa bouche, ses mains. C'est ce qu'il attend de chacun de nous. Parce que ce n'est pas seulement, oui, j'ai été sauvé, ben, tant mieux, moi j'irai. Et mon voisin qui est à côté? Et ma collègue de travail? Et ma sœur physique, qui ne connaît pas le Seigneur? J'ai besoin de refléter Jésus. J'ai besoin de raviver mon souvenir, ma mémoire, afin que je ne puisse pas oublier que Jésus a payé le prix. Que Jésus a payé le prix. Vous rendez compte? Une mort, ça veut dire que vraiment on a une valeur vraiment aux yeux de Dieu. Et que franchement, si on peut ne pas l'oublier. Vraiment, je voulais mettre l'accent sur le souvenir. Sur le fait que vraiment, si Dieu dit, il se souvient de l'homme. Dans plusieurs passages dans la Bible, en fait, on entend parler de souvenir. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais j'ai pris juste ce passage où il dit qu'il se souvient de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Tu te souviens. Alors nous, en retour, on se souvient de Dieu. On se souvient de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous. Afin que nous soyons vraiment des missionnaires partout. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui est venu d'un autre pays ou quoi pour être un missionnaire. On est tous des missionnaires ambulants. Partout où nous sommes, nous devons refléter Jésus par notre manière de nous comporter. Nous courons vers la perfection. Et je ne veux pas être là en train de parler. On va passer tout de suite à la Sainte Cène, à ce moment où nous allons vraiment, en prenant ces éléments, nous souvenir que c'est le corps de Christ qui a été brisé pour nous. Par amour, pour nous. Si j'étais seule même si vous n'étiez pas là, si j'étais seule, il l'aurait fait. Alors que chacun se dise, si j'étais seule, il l'aurait fait. Alors merci, merci, et je me souviens. Et je me souviens, je veux toujours me souvenir. Lorsque mon pied chancelle, je vais me souvenir, non, Jésus, tu l'as fait pour moi. Oh alors, non, je redresse, je cours dans tes bras. Même si je tombe, je me redresse et je me lève et je cours dans tes bras parce que tu l'as fait pour moi. Tu as brisé ton corps pour moi. Tu as versé ton sang pour moi. Merci Jésus. Oui, je veux donc vraiment prendre vraiment juste ce corps, ce pain qui représente vraiment le corps du Christ et qu'en le mangeant vraiment, qu'on se souvienne que c'est son corps. Son corps glorieux qui est venu dans le corps d'un être humain qui est insignifiant, mais qui a pourtant tant de valeur. Merci, merci Seigneur. Seigneur, merci Seigneur vraiment pour ce corps que tu as brisé. Merci également pour ce sang que tu as versé pour chacun de nous. En le buvant Seigneur, je veux me rappeler à tout instant que tu as pris toute ma malédiction. Que tu as pris tout ce qui me condamnait, tout ce qui m'amenait, oh oui, vers la mort. Qu'aujourd'hui j'ai la vie éternelle, grâce à toi. Mais que ce n'est pas seulement pour moi, je veux vraiment vivre de telle sorte que je puisse me souvenir à tout instant que tu l'as fait pour toute créature que tu as créée, pour tout être vivant que tu as créé, pour tout homme que tu as créé. Et que je puisse être vraiment ton reflet partout où je suis. Oh oui, Seigneur, que vraiment en moi, Seigneur, ce souvenir ne puisse jamais, Papa, s'estomper. Merci, merci pour tout. Merci, mon Dieu. Merci que cet amour vraiment glorieux puisse vraiment se manifester partout dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Oh oui. Et dans cette église, on prend en fait la Sainte Cène, même avec les enfants. Mais les enfants, en fait, ils sont encore trop petits pour savoir ce que ça représente. Donc ils le font avec les parents. Ce sont les parents qui viennent avec leur enfant. Ils prennent les éléments et ils l'expliquent à chaque enfant.
Donc, ils prennent vraiment les éléments avec leurs enfants. Ce ne sont pas les enfants, ce n'est pas un snack bar, c'est plutôt un endroit où on vient glorifier Jésus. Mais que chacun puisse le faire en famille. Et il y aura autour des tables des membres du cadre pour chacun qui veut demander pardon, d'avoir de temps en temps peut-être oublié que Jésus a tout fait pour lui et qu'il s'est comporté sans vraiment refléter vraiment cette personne qui est Jésus et qui est en nous. Parce que si nous sommes là, c'est parce que nous avons accepté déjà Jésus. Et donc il est en nous, il vit en nous. Et que par moments, nous ne sommes pas encore des saints. Enfin si, nous sommes des saints, nous ne sommes pas encore des gens vraiment parfaits. Mais nous courons vers la perfection. Alors par moments, notre pied peut chanceler. Et si elle a trop chancelé, et que nous avons vraiment besoin de demander pardon, il y aura des gens autour de la table et nous pourrons prier avec eux afin de pouvoir prendre ces éléments sans condamnation, mais vraiment plutôt dans la bénédiction. Amen. Merci beaucoup, Aurore. Si les membres de CAD peuvent venir derrière les tables, s'il vous plaît. Alléluia. On va se lever dans la présence de Dieu. Ne pas oublier ce que Jésus a fait pour nous. Est-ce que notre cœur est encore suffisamment tendre, quelles que soient les années que nous avons de conversion, pour être touché à chaque fois que nous entendons « Jésus est mort pour moi ». Est-ce que ton cœur est encore touché, encore ému lorsque tu entends cette parole ? Jésus est mort pour nous. Donc souvenons-nous en prenant ces éléments et donc approchez-vous avec un cœur reconnaissant, un cœur ému du fait que Jésus soit mort pour nous, pour que nous devions semblables à lui. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous approcher ? Je vous encourage à regarder autour de vous s'il y a des personnes qui sont seules et de les inviter dans vos groupes. Et nous avons un sujet de prière ce matin. Nous avons nos frères et sœurs de l'antenne Porte Ouverte qui ont été présenter la pièce Youssef dans l'Essonne. On va donc profiter que vous soyez dans ces groupes pour pouvoir prier pour eux, que l'onction du Seigneur puisse les conduire et être manifestée. Amen. Et que cette église où ils sont soit puissamment touché par cette pièce. Amen.
Et prier aussi les uns pour les autres, c'est demander dans vos groupes respectifs s'il y a des personnes qui ont besoin du toucher du Seigneur, des personnes qui sont malades, des personnes qui sont peut-être déprimées. Et la présence de Dieu est là pour se manifester dans ces temps particuliers de Sainte-Seine. Amen. Même si vous ne prenez pas les éléments, vous pouvez vous joindre à un groupe et prier avec les frères et sœurs. Thank you.
Je vous encourage à commencer à clôturer. Alléluia. Ce temps. Encore 15 secondes. Avant de commencer, on va souhaiter la bienvenue à nos internautes. Alors faites un grand cri vers eux. Je disais un grand cri. On va faire un grand cri vers nos internautes. Soyez tous les bienvenus. Et nous prions afin que vous rentriez dans la même présence qui est ici et que le Seigneur puisse vous toucher, vous bouleverser et vous défier ce matin. Adorons notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre être. Amen. Que le ciel entend notre louange.
toi les aveugles voient, à toi les muets chantent, même dans cette salle, tes œuvres lèvent. À toi les cœurs te louent, à toi les yeux n'épuisent, à toi mon cœur crie. Que ceux qui sont libres ce matin le disent. Je ne vous entends pas. Si tu es vraiment libre, crie-le. Si tu es vraiment libre, danse-le. N'agissez pas comme des gens libérés, qui sont remplis de Dieu, qui sont libérés du péché, libérés de la malédiction, libérés de toutes choses mauvaises. Donc on va chanter, on va danser comme si on était libre et comme si on le croyait. Allons-y! Yeah.
Vous savez que nous faisons partie des hommes et des femmes les plus heureuses du monde. Et il faut que ça se voie et il faut que ça s'entende. Amen. Pas seulement le dimanche matin, mais que tout le monde voit que nous sommes libres. Et que celui qui nous a rendus libres, nous a vraiment rendus libres. Amen. Bon, on va essayer de se calmer un petit peu. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes libres. Le prix a été payé. Le prix a été payé. Je suis toujours ému dans mes entrailles, dans le plus profond de mon être, lorsque j'entends que Jésus, mon Seigneur, a payé le prix. Quel que soit le nombre d'années de conversion que tu as, ne sois jamais, pas attendri devant le sacrifice de Jésus pour toi. Amen. Et ce prix, ce sacrifice t'a rendu libre et m'a rendu libre. Amen. On va accueillir le pasteur Samuel, bien bien fort, qui va accueillir nos visiteurs. Alléluia. Merci pasteur Jean-Pierre. Bien, bonjour à vous tous. Vous allez bien? Encore une fois, est-ce qu'on peut juste faire un cri de joie et des applaudissements pour accueillir tous nos internautes ce matin? Vraiment, ce matin, avec ces cris de joie et d'applaudissements, nous voulons vous dire ce matin, c'est vraiment une joie de pouvoir vous accueillir et par-dessus de tout, de partager ce moment avec vous. Vraiment, nous, toute l'équipe, sommes là pour vous servir et nous voulons juste vous dire merci pour vos retours, merci pour vos témoignages et par-dessus de tout, merci pour votre patience suite à des problèmes techniques que nous pouvons rencontrer. Mais une chose est sûre, c'est que cela va de gloire en gloire. En tout cas, merci pour vos témoignages, merci pour tout, merci de rester jusqu'au bout, c'est que certainement Dieu à quelque chose de bon pour vous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons juste accueillir tous ceux et celles qui nous rendent visite ce matin, nos visiteurs. Alors si vous êtes dans la salle, vous nous rendez visite pour la toute première fois, tout ce que nous vous demandons, c'est que là où vous êtes, vous levez votre main. Nous voulons juste vous honorer et vous accueillir. Est-ce que vous pouvez lever votre main? Est-ce qu'on peut les applaudir? On a un petit cadeau de la part de l'Église. Je voudrais juste attirer votre attention concernant ce petit coupon jaune qu'on vous demandera de remplir soyeusement et lisiblement. L'une des raisons, c'est qu'on veut être en contact avec vous pour joindre notre foi avec la vôtre, pour vous aider à rentrer dans le destin de Dieu. Oui, nous sommes une Église, nous sommes une famille qui croit fortement que Dieu a un destin pour chaque être humain sur cette terre. Et deuxièmement, que vous soyez au courant de ce que Dieu est en train de faire ici au sein de la famille du Bon Berger. Nous voulons vous dire que nous ne croyons pas que nous servons un Dieu de hasard. Si vous êtes là ce matin, c'est que certainement Dieu a quelque chose de bon pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'encore une fois, on peut les applaudir et les remercier de la présence? Alléluia. Et sans plus tarder, les annonces. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre restaurant favori, ACBB News Dinner, qui, comme toujours, vous a concocté un menu spécial pour un mois de février riche en goût. Jeunesse pour commencer avec JBB qui invite tous les jeunes à se réunir le samedi 8 février de 15h à 18h30. En entrée, le Bon Berger vous a préparé une rencontre spéciale le samedi 15 février de 14h à 18h. Et pour vous donner l'eau à la bouche, voici le thème: l'honneur dans les relations. Ça sera un moment où chaque génération dans l'église pourra se rencontrer et créer des liens forts. Pour les grands gourmands, nous avons mijoté non pas un plat, mais deux plats de consistance. Le premier, la soirée prophétique du Bon Berger, le vendredi 21 février de 20h à 23h. Et le deuxième, celle de Viry-Châtillon, le vendredi 28 février de 19h
à 22h. Une fois le tout digéré, nous servirons à nos convives un dessert des plus délicats, des plus raffinés, des plus somptueux. Imaginez deux minutes, un parterre de concombres sur son lit de carottes, saupoudré délicatement de pommes à la cannelle, accompagné de sa sauce à l'aubergine. Excusez-moi, je m'emballe. Donc, nous vous servirons le jeûne de Daniel avec Objectif France du 22 mars au 13 avril 2014. Ben voilà mon petit gars, moi je rentre en cuisine, mais bon, on se retrouve toujours au même endroit, à la même heure et puis à la semaine prochaine. Puis que Dieu vous bénisse. Bon appétit bien sûr. Les applaudir. Excellent, excellent des voix. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que l'équipe va de gloire en gloire. Amen. Alléluia. C'est vraiment une bonne chose de voir vraiment toutes les choses dont Dieu commence à mettre son sceau et sa marque. Juste pour terminer, concernant les annonces, pour le 2 février, juste vous rappeler que, comme vous savez, tous les ans, au sein de l'Église, les jeunes font des ventes chaque année. Donc, cette année, ils vont commencer pour le 2, donc dimanche. S'il vous plaît, n'hésitez pas à venir les encourager. Ils seront là pour vous servir. Pas avec des mets délicats, comme disait Déborah, mais néanmoins, il y aura quelque chose pour vous. Donc, venez et soutenez-les. Et merci encore pour votre soutien. Et deuxième rendez-vous que je voudrais juste attirer, on voudrait attirer votre attention. Vous avez tous pu voir sur votre chaise, il y avait une petite prospectus qu'on vous demandera de lire soigneusement. Juste rendez-vous à ne pas manquer, donc à Manif pour tous. A priori, le rendez-vous est à 13h, Paris Montparnasse, place du 18 juin 1940. Si vous voulez plus de détails, allez sur manifpourtous.fr, vous allez avoir tous les détails. Ok, on passe à la suite. Quelqu'un dit la suite? Juste, j'étais en train de penser concernant les offrandes et surtout par rapport au message que Pasteur Robert était en train de parler, que Dieu lui avait mis à cœur concernant l'espoir. Et il y a ce chapitre quand même qui m'a assez saisi ce matin dans les livres de Malachie, le chapitre 3. Vous savez tous que c'est mentionné spécifiquement la dîme et l'offrande. Mais ce que je voudrais juste attirer votre attention, c'est que vous constaterez qu'à l'époque où cela a été écrit, vers 450 avant Jésus-Christ, et vous voyez bien que le peuple était juste après avoir vécu un temps d'exil, il venait juste de rentrer dans le pays, ça faisait plus qu'un siècle. Mais néanmoins, quand bien même qu'ils étaient là, dans le pays, mais il y avait un manque d'espoir au sein de et même nous voyons que Dieu attira l'attention de ce prophète pour parler. Vous savez tous que dans le temps, Dieu suscita des prophètes pour parler à son peuple. Les choses que nous remarquons que Dieu attira l'attention vers le peuple de Dieu, c'est que les prêtres ne respectaient pas le Seigneur. Les règles de Dieu qui ont été données n'ont pas été suivies. Et les gens trompaient Dieu. Et quand vous lisez, vous savez, des fois quand vous lisez la Bible, ne lisez pas un verset, vous faites un sermon dessus, c'est que vous lisez tout le contexte. Et vous regardez que ça va bien avec l'espoir. Nous voyons bien que Dieu avait choisi le peuple d'Israël. Et ça, c'était le point de départ des paroles que le prophète avait données. Et ce qui était assez intéressant, c'est que Dieu était en train de susciter l'espoir au sein de son peuple. Et comme chaque année, le pasteur Robert nous rappelle maintes et maintes fois, Dieu merci pour ses rappels, qui nous dit que le jour du 31 soir, pour arriver le 1er janvier, il n'y a pas de grâce particulière, il n'y a pas d'onction particulière, bien que nous pouvons le croire, mais il n'y a rien qui change, c'est qu'un jour comme les autres. Mais quand même, je me suis interrogé sur cette question, pourquoi Dieu y avait dit qu'il y a un début d'année et une fin? Il devait avoir une raison, vous savez bien que Dieu, lequel qu'on sait, c'est un Dieu de but, d'objectif. Donc tout ce qu'il met, il y a toujours un but derrière. Et je me suis rappelé je me suis posé un peu sur cette question, sur le pourquoi. Ah ben, chaque année, peut-être Dieu fait une fin pour recommencer. Peut-être il veut que chacun d'entre nous fassions une pause
et nous commençons à réévaluer notre vie. Vous savez, nous sommes tous des gagnants ici, des champions, réévaluons notre vie professionnelle et tout, mais qu'en est-il de notre engagement vis-à-vis de Dieu? Alors je voudrais vous encourager ce matin, si l'année dernière, ça n'a pas été l'opportunité pour que tu honores Dieu, alors je veux vraiment vous exhorter cette année, prenez cette opportunité de dire que début janvier, fin janvier, je prends la décision d'honorer Dieu avec mes dîmes et mes offrandes. Amen. Et tu sais, chose étrange, combien d'entre vous, vous savez que quand Dieu dit quelque chose, il ne ment pas? Je suis au bon berger ce matin? Je dis, quand Dieu dit quelque chose, il ne ment pas. Maintenant, regardez, il dit, donnez les dîmes et les offrandes et vous verrez si est une condition. Si est-il, n'est-ce pas, une condition, si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et il dit, il menacera les dévoreurs. Combien d'entre nous, nous nous laissons voler chaque année juste parce que nous passons à côté d'honorer Dieu avec nos dîmes, nos offrandes? Nous voyons le micro-ondes qui tombe en panne, nous venons tous juste de l'acheter, tout neuf. On ne sait pas pourquoi. La garantie vient de terminer, mais on n'arrive plus à trouver les sous pour l'acheter. Et on se pose des questions. La machine à laver qui tombe en panne, pourtant ça fait qu'un an et demi qu'on vient de l'acheter. Et tout ça, on passe à côté, on dit, ouais, mais tu sais, c'est de la technique. Non, ce n'est pas la technique. Vous êtes en train de vous faire piéger par l'ennemi. Je me rappelle un jour, je venais de commencer dans le ministère. Il y a une sœur, je faisais des cellules à l'époque. J'étais sur la voie de vouloir aider les hommes et les femmes de Dieu. Je faisais une cellule à Porte de la Chapelle. Je n'oublierai jamais cette sœur qui est venue me dire. Elle me dit, Samuel, j'ai quelque chose à te dire. Tu sais, on n'a pas eu d'augmentation cette année. Mais à chaque mois, j'ai décidé d'honorer Dieu. Mais jamais à la fin du mois, il nous a manqué quoi que ce soit. Ni pour moi, ni pour mon mari, et encore moins pour mes enfants. Oui, Dieu honore sa parole. Dieu veut susciter de l'espoir. Peut-être lorsque tu sais, la plupart du temps, je vais juste dire ceci, je vais terminer. Ne vous laissez pas piéger. Il y a des principes que Dieu établit. Il y en a beaucoup qui disent, oui, mais tu sais, je ne donne pas ma dîme, mais je le prends, je donne aux pauvres. Il ne faut pas mal organiser votre argent. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Allô? Dieu n'a pas dit que tu ne donneras pas aux pauvres. Il y a quatre mentions des dons dans la Bible. Il y a la dîme, l'offrande, il y a aussi le premier fruit et aussi il y a les aumônes que nous donnons aux pauvres. Mais ne prenez pas votre dîme et vous donnez aux pauvres. C'est mal orienter votre argent. Peut-être on aura l'occasion d'en parler dessus le pasteur Robert, mais de bien orienter votre argent. Ce qui est à Dieu, Jésus l'a bien dit, donnez à César ce qui est à César et à... Alors ce matin, soyons encouragés. Donnons à Dieu ce qui lui mérite ce matin. Levons-nous et donnons nos dîmes et nos offrandes. Hallelujah. Et donnons par la foi et laissons Dieu menacer les dévoreurs afin que nos finances puissent fleurir dans le nom de Jésus. Juste pour vous rappeler, pendant le chant, je vais juste rappeler aux visiteurs, n'oubliez pas, une fois le coupon bien rempli, les paniers vont passer parmi les rangs. Vous avez tout simplement besoin de mettre le coupon dans le panier. Merci, que Dieu vous bénisse. Lumière du monde, amour brillant, prenez nos péchés d'épaule. Tu brisas la nuit, tu fus ressuscité. Tu parcours la terre, les sauveurs perdus. Tu quittas ton trône pour gagner les âmes. Et tu nous conduis quand nous appelons ton nom. Toi le Dieu qui sauve. Si je peux avoir les enfants qui me rejoignent, les enfants, si vous pouvez venir me rejoindre pendant qu'on fait les offrandes. Et n'oubliez pas, si vous êtes un visiteur, de remplir le petit papier que vous avez reçu tout à l'heure et de le mettre dans le panier à offrande lorsqu'il passera à côté de vous. Nous appelons ton nom, toi le Dieu qui sauve. Lorsque nous te cherchons, oh, 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 oh.
Seigneur, fais ta volonté, ton royaume sur la terre comme au ciel. Notre liberté, Jésus, elle se rend ton nom. La vérité, le chemin et la vie, ta grâce a vaincu nos faiblesses. Combat gagné, Jésus est ton amour et pas tout de qui. Tendre la main vers les enfants. Les enfants, on va baisser nos têtes. C'est le moment de prier pour vous. On ferme les yeux. Père très saint, nous te remercions pour ces précieux enfants, Seigneur, que tu nous as donnés. Nous te remercions parce que chacun d'entre eux a une destinée particulière. Et nous prions, Père, que tu libères ton onction sur les moniteurs et les monitrices afin qu'ils leur communiquent quelque chose du ciel, quelque chose qui va faire que ces enfants, Seigneur, vont toucher leur génération et changer leur monde, Père. Père, nous libérons maintenant ta protection sur chacun d'entre eux et nous ne permettons à aucune chose mauvaise de toucher un seul cheveu de leur tête. Dans le nom de Jésus, nous prions et tout le monde dit un grand Amen. On les applaudit bien, bien fort. Dans ta lumière encore plus fort, élevons ton sein non plus haut. Dans ta lumière encore plus fort, élevons ton sein non plus haut. Dans ta lumière. Dieu qui sauve, accueillons sa présence. Tu étends ta main lorsque nous te cherchons. Ta dernière fois, toi le Dieu qui sauve, l'espérance de tous. Amen, amen, alléluia, Dieu qui sauve, amen, alléluia, vous pouvez prendre place, gloire à Dieu, merci, bon travail équipe de louange, alléluia, Dieu qui sauve, alléluia. Vous savez pourquoi dans les boîtes nuit, la musique est si forte? Ou dans les concerts de rock ou n'importe quel genre de concert, j'imagine. Mais la musique est tellement forte qu'on ne s'entend même pas penser. Si je crie, bon, ce n'est pas que je rends visite aux boîtes nuit, hein, il ne faut pas croire ça. Je ne suis pas du tout un grand expert. Mais j'étais dans des endroits là où la musique, mais ta tape est tellement forte, tu n'arrivais même pas à réfléchir. Et je suis convaincu que la musique est si forte dans des endroits pareils, c'est pour étouffer le cri du cœur désespéré. Parce que si tous les gens qui étaient là pouvaient s'entendre, tout le monde sera dans la déprime. Donc, en conséquence, ils mettent la musique si forte, tu ne peux pas penser. Tu te perds dans la musique.
Donc, la différence, c'est qu'ici, c'est vrai que parfois la musique est un peu forte. Alléluia. Mais la différence, c'est que cette musique libère le cri de nos cœurs. Amen. La musique n'étouffe pas le cri du cœur, mais elle libère le cri du cœur. C'est ça la différence. Mais ne vous inquiétez pas, d'ici quelques semaines, je pense, vous allez pouvoir constater quelques modifications au niveau de notre qualité de son. Alléluia, tout ça pour la gloire de Dieu. On investit. Gloire à Dieu. Amen. Je sais que parfois, on a tellement d'attentes. Et parfois, même dans la vie, malgré le fait qu'on vienne, qu'on prie, on cherche la face de Dieu, on lit la Bible, on est fidèle. Et même comme le pasteur Samuel a dit, même on est fidèle dans la dîme. Hallelujah. Mais parfois, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Et des accidents. Et parfois, on se demande, mais pourquoi, Seigneur, cet accident me tombe dessus? Qui n'est pas passé par un accident? Je crois qu'on est tous passés par un accident. Ben, on a un frère dans l'église qui est passé par un accident de travail récemment. Et depuis 3 semaines, il attendait de donner son témoignage. Et finalement, on trouve une petite ouverture ce matin pour que Patrick puisse partager avec nous ce que Dieu a fait dans sa vie. Est-ce que vous voulez bien l'applaudir? Alléluia. Bon, vous le voyez souvent derrière la caméra. Maintenant, vous le voyez devant la caméra. OK, à tous nos internautes, voici le gars qui fait la prise d'image. Bon, maintenant, quand il y a des petits bugs techniques, ce n'est pas toujours sa faute, d'accord? Parce qu'entre ce qui se passe ici et ce qui arrive chez vous, il y a pas mal d'intermédiaires. Voilà. Bon, patience, patience, on y travaille aussi. Mais partage avec nous ce que Dieu a fait dans ta vie. Bonjour, mes frères. C'est allumé. Excusez-moi, ouais. Ouais. Donc, je dis bonjour, mes frères. Donc, le 26, j'ai eu un accident de travail. Donc, en tombant, j'ai essayé de me raccrocher à un grillage. Et j'ai mon épaule qui s'est déboîtée et cassée en même temps. Bon, souffrant d'une ostéogenèse imparfaite, arrivé à l'hôpital, ils ont décidé de me faire subir une intervention chirurgicale parce qu'ils avaient peur d'aggraver la fracture en essayant de remettre l'os en place. Et finalement, quand j'ai eu mon accident, dans la panique, je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai appelé le pasteur Jean-Pierre, j'ai appelé mon beau-frère Médéric, et tout de suite, il y a eu une cellule de prière qui s'est mise en route. Et arrivé à l'hôpital, bon, ils m'ont annoncé que j'allais subir une intervention. Et bon, à mon réveil, la grande surprise, c'est que le médecin a réussi à mettre l'os en place sans recasser le bras et sans opération. Donc je voudrais remercier le Seigneur et lui rendre gloire parce que j'ai juré de dire tout ce qu'il a fait pour moi et tout ce qu'il fera pour moi. Et remercier aussi tous les témoignages de soutien que j'ai eu de votre part. Et je me suis senti vraiment entouré et pas abandonné. Donc je dis bien que si bon, vous avez quand même un problème ou un souci, de ne pas hésiter à appeler, que nous sommes bien entourés. Et je vous remercie et gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Reste un instant. Ok, étendez la main. Nous voulons vraiment voir que cette... Parce qu'il passe par un temps de rééducation qui est parfois douloureux. Donc on va prier que Dieu touche tous les... détails. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, tu es un Dieu de puissance. Et maintenant, tu touches notre frère, cette épaule, Seigneur. Alléluia. Nous proclamons un miracle de restauration, de régénération. Alléluia. Par le nom du Seigneur Jésus. Et nous te rendrons la gloire. Alléluia. Tout le monde dit amen. Alléluia. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Amen. Il est même bien au-delà de bon. Vous avez trouvé sur votre chaise ce flyer. C'était juste pour faire un petit pub de ce qui va se passer dans notre nation dimanche prochain. C'est très, très, très important. Dis à la personne à côté de toi, c'est très important. OK, dis à l'autre personne, à l'autre côté, non, 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 tu n'as pas compris. C'est très, très important. OK.
Il y a un verset dans les Proverbes que j'ai noté, je voulais juste vous le citer. Si j'arrive à le trouver, il était là dans mes notes tout à l'heure. Ah voilà, Proverbe 14, 34. Proverbe 34, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Encore une fois, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Mes amis, la France n'est pas encore perdue. Merci pour les deux amens, trois, y a-t-il quatre, un cinquième peut-être, un sixième. La France n'est pas encore perdue, mais si les justes se taisent, seule la voix des injustes sera entendue. Si les justes ne font rien, que les injustes vont agir. À tel point que les injustes, en ne voyant plus des justes, les injustes pensent que sont eux en majorité. Et parce que les injustes, parce que les justes décident que parfois le match de foot qui passe l'après-midi sur la télé est quand même plus de valeur que manifester nos valeurs dans les rues de Paris. Donc, en conséquence, même nous, les justes, nous pensons que nous sommes en minorité. Et c'est faux. Aujourd'hui, frères et sœurs, ceux qui croient que le mariage est entre un homme et une femme, nous sommes en majorité. Le problème, c'est qu'on a perdu notre voix. Nous l'avons perdue. Et il faut que nous, les justes, retrouvions notre voix. C'est quand même la France. Dis à la personne à côté de toi, tu es en France, toi. OK, en Amérique, on ne fait pas de manif. Très, très, très peu. Aux Pays-Bas, on fait peu de manif. En Suisse, est-ce qu'on n'a jamais fait une manifestation en Suisse ? Y a-t-il des Suisses ici? Peut-être vous pouvez me le dire. Je n'ai jamais entendu parler d'une manif en Suisse. Mais là, on est en France. Non pas seulement est-ce que nous avons droit de manifester, nous avons même une obligation de manifester. Et ça, c'est un Américain qui vous le dit. Nous avons même une obligation de manifester. Pourquoi? Je crois que lors de la dernière manif, on était au-delà d'un million de personnes. Un million de personnes. Ils ne voulaient pas entendre. Peut-être la prochaine fois, par la grâce de Dieu, on sera 2 millions. Peut-être après, on sera 10 millions. Peut-être après, on sera 20 millions. À quel point faut-il se mobiliser jusqu'à nos élus nous entendent? Il ne veut pas nous écouter pour la simple raison que nos manifestations passent dans la paix et non dans la violence. C'est ça ce qui nous distingue de tous les autres qui font des manifs. Nous, nous manifestons dans la paix, dans la solidarité, dans la fraternité. Et parce que ça ne pose pas de menace ni à la sécurité de nos concitoyens qui ne partagent pas forcément les mêmes points de vue, ni aux forces de l'ordre, malgré parfois une surcharge de leur présence, mais ça ne pose pas de menace réelle pour nos politiciens. Donc, il faut que ça continue à augmenter. Il ne faut pas qu'on baisse les bras, il ne faut pas que notre attitude soit « Ah ben, tant pis, on a perdu, maintenant nous faisons le tapis. » Vous voulez vraiment faire un tapis? Où est la gloire de Dieu là-dedans? Tu dis, ah oui, mais pasteur, où est-ce qu'ils ont manifesté dans le livre des Actes? Je vous dis, je vous montre, la fois où Pierre et Jean furent arrêtés par les autorités religieuses, qui par la suite de leur arrestation, on leur a dit, vous ne prêcherez plus
au nom de Jésus. Vous pouvez prêcher, il n'y a pas de problème, mais plus au nom de ce soi-disant Messie. Hello. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Vous, vous jugez. Est-ce que c'est mieux d'obéir à Dieu ou obéir à l'homme? Vous, soyons juges, mais pour nous, on va continuer d'agir selon nos convictions. Voilà une manifestation contre l'autorité. Ils n'ont pas fait le tapis. Ils n'ont pas dit, ah zut alors Dieu, on ne peut plus t'obéir parce que la loi nous l'interdisons. Ah ben non, pas du tout. Ils ont dit non, désolé, nous sommes soumis à l'autorité, l'autorité déléguée, mais quand cette autorité est en contradiction à l'autorité divine, nous avons une obligation de suivre l'autorité divine. Maintenant, si vous roulez à 140, hello, dans une zone pavillonnaire, et vous dites par la suite, Dieu me l'a dit, il faut juger ses paroles. Amen. Il faut juger la parole pour voir si la parole était vraiment de Dieu. D'accord. Si Dieu te dit, amenez les Bibles dans un pays communiste ou intégriste, là où la Bible est interdite. Et Dieu te le dit de le faire. Mais les autorités disent, oui, mais si vous le faites, on va vous mettre en prison. Priez pour que vous puissiez échapper à les autorités. Mais si jamais vous êtes pris, si jamais vous êtes arrêté, voilà, acceptez la punition, sachant que vous avez obéi à Dieu. C'est-à-dire que la désobéissance civile, frères et sœurs, il faut comprendre, la désobéissance civile est une valeur enracinée dans la Bible. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. Je n'ai pas le temps ce matin pour faire tout un discours ni un enseignement là-dessus. Mais c'est une valeur dans la Bible et nous pouvons même dire merci Dieu qu'il fut un temps en Europe là où une petite minorité ont décidé de prêcher la justification par la foi et non par les œuvres. Contre les puissances religieuses dominantes à l'époque. Et la plupart ont péri avec leur vie. Ils ont payé avec leur sang pour leur désobéissance. Et grâce à cela, aujourd'hui, nous avons une liberté de chanter Jésus comme nous le voyons. Hello. Grâce à eux. Vous devez votre liberté à ceux qui ont fait une manifestation de la désobéissance civile. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une cause au fond du cœur. Ils voyaient une génération future, ils étaient prêts à se battre pour la liberté du futur. Même au péril de leur propre vie. Est-ce que vous me suivez? Donc, vous mettez ça à la prière. Dimanche prochain, le 2 février, mettez-vous dans cette déclaration. Alléluia. Merci. Ok, pasteur Jean-Pierre, il sera là. Est-ce que d'autres seront là? Ok. Malheureusement, je ne pourrai pas être avec vous. Si, je serai avec vous dans l'esprit, mais je serai en Amérique. Ce serait un petit peu loin pour moi de venir juste pour la manif. Ok, dimanche prochain, je suis où? À Houston, dans le Texas. Ok, bon, de Texas, Paris, Texas, voilà, c'est un peu loin. Donc, juste avant qu'on aille dans la parole de Dieu, je voulais vous dire encore deux petites choses. Un, de garder notre cellule portes ouvertes dans vos prières ce matin. Ils sont à peu près une vingtaine de nos membres, sont dans une église dans l'Essonne, pour présenter la pièce sur le pasteur Youssef. Merci de les garder dans le prêt. On est vraiment fiers de tout ce que se fait, notre antenne, porte ouverte. Selon ce que j'ai entendu, nous avons la plus grande de toutes les antennes en France, dans notre église. Et vraiment, on est très fiers de cette consécration, ce travail, de solliciter une solidarité pour nos frères et sœurs persécutés dans le monde entier. Alléluia. Nous sommes aussi très honorés ce matin d'avoir deux visiteurs qui viennent d'Israël. Et j'aimerais juste vous les faire reconnaître, et j'espère que je vais bien prononcer les prénoms. Agit, Agit,
Am I close? Okay, and Natalie, who are from Israel, would you please stand? Oh, est-ce que vous pouvez vous lever? Est-ce que vous voulez bien les applaudir? On est très content que vous soyez parmi nous. Thank you for being with us this morning, and we pray God's rich blessing on you. Thank you. Et pour tous ceux et celles qui parlent un peu hébreu, merci d'aller leur dire shalom à la fin du culte. D'accord? Alléluia. Ou Mireille sera là, pas trop loin pour traduire. D'accord? Ou certainement, you speak English, yes. Yeah. How's your French? It's okay, your French? Oh, very good. Wow. Espagnol, allemand, portugais, chinois, japonais, super. Talentueuse. Okay. Prions ensemble. Père, tu es le Dieu de tout encouragement. Alléluia. Tu es le Dieu de l'espérance. Et comme nous l'avons chanté, tu es là pour relever la tête. Tu es là pour fortifier les mains et les genoux. Seigneur, tu es là pour nous donner cet esprit d'espoir au fond du cœur. Tu es là pour renverser les échecs, pour restaurer ceux qui ont échoué, les mettre sur le bon chemin. Et nous prions ce matin au nom de Jésus que ce travail que tu as commencé il y a quelques semaines puisse s'achever aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sois parmi nous, donne-nous l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Et nous prions dans le nom glorieux de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Dans les psaumes 27 et le verset 13 et 14, le psaume 27... Et le verset 13 et 14 nous dit ceci. Oh, si j'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Et là, il rajoute une dernière fois si nous n'avons pas entendu la première fois. Espère en l'Éternel. J'aime bien dans une traduction en anglais qui dit I would have fainted. How can I translate that? Je cherche une traduction. Je serais évanoui si je n'avais pas cru que je verrais la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Ok, c'est très bien. J'ai cherché un équivalent en français, je n'ai pas trouvé. Mais bon, bref, je vais continuer à chercher. C'est peut-être dans le Darby, mais je n'ai pas pu mettre la main sur ma traduction de Darby ce matin. C'est-à-dire que j'aurais désespéré si je n'avais pas cru que je verrais la bonté de Dieu dans la terre des vivantes. Je veux que ce texte pénètre dans les profondeurs de nos âmes ce matin. Tout au long de la semaine, je priais parce que je me suis dit, ok, bon, on a fait 3 semaines sur le sujet de l'espoir et l'échec. Et je me suis dit, ok, certainement, il est temps, Dieu veut qu'on aille sur un autre sujet. 3 semaines, c'est bon, 3 semaines. Comme ça, avec le taux d'absence qu'on a dans notre église, comme ça, tout le monde a entendu un message sur l'espoir au moins une fois. Parce qu'on a un taux d'absence qui tourne dans les 33-35% en moyen. Mais le Seigneur m'a dit, non, il y a encore une œuvre que je veux faire dans le cœur de mon peuple. Pourquoi? Et c'est parce qu'en France, on est le pays numéro 1 dans la consommation de drogues antidépresseurs. Peut-être. Et c'est peut-être parce que la ville de Paris est classée dans les top 5 villes au monde pour la dépression. Pourtant, nous sommes la ville la plus visitée au monde. Et un Parisien m'a dit une fois, oui, on est déprimé à cause de tous les visiteurs. Je ne pense pas. Ça aide à tourner l'économie, il faut dire. Rien que prendre un taxi de l'aéroport au centre de Paris, ça coûte une petite fortune. Donc, merci pour les touristes. Mais il y a, et surtout pendant les mois de janvier et février, c'est comme si chaque année, il y a une espèce de grisaille
émotionnelle et psychologique qui envahit notre belle capitale. Les gens tombent ou glissent vers une dépression, et même parfois ceux qui ne sont jamais déprimés, tout d'un coup, comment ça va ? Oh, bah franchement, pas trop bien. Je ne sais pas, est-ce que c'est le manque de vitamine D, peut-être ? Manque de soleil, oui, ça fait ça. Hein. Est-ce que c'est l'effet des nuits longues et les journées courtes ? Au niveau du soleil, au niveau du travail, c'est plutôt l'inverse, n'est-ce pas ? C'est les journées longues de travail, les nuits courtes de repos. Et c'est peut-être parce qu'on a dépensé tout notre argent pour Noël. En conséquence, on n'a rien pour payer les impôts en janvier. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça arrive chaque année. Et mes amis, nous ne sommes pas un peuple déprimé, ni déprimant. Alléluia, amen. Nous sommes un peuple qui, normalement, nous sommes un peuple de joie. Ouais, gloire à Dieu. J'ai la joie. Alléluia. Non, je comprends. Je comprends. Je sais qu'en France, on ne veut jamais jouer l'hypocrite. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut jouer le citron. Le citron. Tu vois, même quand ça va bien, tu vois, c'est... Comment ça va? Oh, pas trop mal. Pourquoi on dit pas trop mal lorsqu'on peut dire très bien? N'est-ce pas? C'était quoi la journée? Oh, pas trop mal. Ça veut dire bien, mais pourquoi pas dire bien? Pourquoi faut-il dire deux négatifs pour faire un positif? Pourquoi pas juste dire, hey, on peut être positif? Hello? Non, est-ce que je parle à quelqu'un là? Tout le monde regarde comme si je parle de quelqu'un d'autre. Non, je parle de nous. Amen. Je parle de nous. Mes amis, nous devons garder l'espoir. Parce que dès que nous perdons notre espoir, nous perdons notre désir de vivre. Et là, on glisse dans une espèce de vie de zombie. Là, on ne fait que survivre. Et là, on n'est pas destiné juste, mes amis, à survivre la vie. La Bible nous dit en Deutéronome 28 que nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes au-dessus et pas en dessous. Nous avons de quoi pour donner aux autres et on n'a jamais besoin de demander. Voilà la promesse de Dieu, voilà la richesse que nous avons dans notre Dieu. Je sais qu'on ne le ressent pas toujours, surtout le lundi matin. Je ne sais pas, peut-être pour vous, le lundi, ça se passe tout à fait bien. OK, après un bon week-end, deux jours de repos. Mais peut-être c'est plutôt douloureux le vendredi matin, quand il dit, mais mon Dieu, comment je vais faire encore une journée? Alléluia. Vous savez, le plus grand miracle de tous les miracles se trouve après le rouleau. Le bout. Vous savez, le bout, le fameux bout. Je suis au bout du rouleau. Ce bout-là. Le plus grand de tous les miracles se trouve après le bout. Donc, comment voulez-vous vivre les plus grands miracles de Dieu si vous avez peur de trouver le bout de ton rouleau? Le bout, c'est peut-être c'est Dieu qui te pousse au bout de ton rouleau pour te montrer que déjà ton rouleau est trop limité. Hello. Peut-être ton rouleau est beaucoup trop limité. Il faut apprendre à vivre, non avec le tien, mais de vivre avec le rouleau de Dieu qui est illimité, mes amis. Il n'y a pas de bout de son rouleau. Son rouleau roule pour l'éternité. Et ne croyez pas que tu es le gars le plus désespéré de toute la création de Dieu. OK? Écoute, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, tu penses vraiment que tu es le gars le plus désespéré? Vraiment? Tu es si extraordinaire que ça? Que vraiment ta vie est tellement pourrie? Que peut faire Dieu? Même Dieu ne peut rien faire avec ma vie pourrie. Ah bon?
Tu penses vraiment que ta petite vie est la vie la plus pourrie depuis la création du monde? Tu vois, c'est ça le paradoxe dans la déprime. Le diable te pousse. C'est comme une sorte de combinaison entre une fausse humilité et un orgueil. Il te fait croire que tu es si mondain que personne ne t'aime. Mais que tu es si extraordinaire que tu as les plus grands problèmes de tous les temps. Hello. Déjà, ce qu'il faut, il faut invertir les deux, d'accord? Croire que tes problèmes sont parmi les plus petits de tous les temps. Hello. Et que tes problèmes n'ont vraiment rien à voir avec des vrais problèmes. Merci. Et que finalement, tu es extraordinaire. Quelle réponse! Mais tu es extraordinaire. Un peu mieux, mais pas trop bien quand même. Tu es extraordinaire. Oh, merci. Phew. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que j'ai trouvé la bonne adresse ce matin? Peut-être que je me suis trompé. Juste regarde la personne à côté de toi. Juste regarde-le. C'est pas vrai qu'il est extraordinaire. Dis-lui bien, mais dis-lui vraiment de cœur entier. Tu es vraiment extraordinaire. Tu es vraiment extraordinaire. Mes amis, trois choses qu'il ne faut jamais perdre l'espoir. Numéro un, gardons toujours espoir en Jésus. Il ne change point. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Numéro deux, le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Vous imaginez avec tous les péchés depuis Adam, et Dieu est toujours sur son trône. Amen. Il ne se fatigue pas, il ne dort pas, il ne prend pas de vacances. Hello. Notre Dieu, il est toujours en contrôle. Si toi tu échoues, si ton ami échoue, Dieu sera toujours sur son trône. Le plan de Dieu, ça peut tarder, mais il accomplira sa parole. Amen. Et puis numéro 3, il ne faut jamais perdre l'espoir dans la rédemption de Dieu. La rédemption de Dieu, c'est là où nous allons focaliser ce matin. Dieu rachète. Dieu est un grand acheteur, finalement. Il rachète tout, tout ce qu'il peut. Parfois, tu sais, quand tu cours dans l'autre direction, au lieu de courir vers Dieu, il ne peut rien racheter parce que tu as le dos tourné vers lui. Ah oui, bah, il court derrière toi. Mais aussi longtemps que ton dos est tourné vers Dieu, il ne peut rien faire. Mais dès que tu t'arrêtes, tu tournes vers lui, tu fais un 180. Hello, là il peut faire quelque chose. Là il a de quoi à travailler. Il peut racheter. Alléluia. Et j'ai vu parfois Dieu prendre des gens brisés, mais en miettes, démolis, désespérés, et ont fait peut-être des choses absolument horribles. Et que aujourd'hui ils sont dans le plan de Dieu, ils sont au centre de la volonté de Dieu. Alléluia, une vie équilibrée, prospère, un bon témoignage. Mes amis, écoutez, l'échec n'est pas la fin du témoignage. C'est le début d'un témoignage. Dieu est un Dieu de restauration. Il est le Dieu de la rédemption. Et nous allons regarder comment Dieu a restauré notre roi David. Nous avons beaucoup parlé de lui pendant cette série. J'aime bien son exemple. Ce n'est pas que je veux suivre tous les mauvais aspects de son exemple. Il ne faut pas le croire. Mais Dieu, il a restauré David. C'est ça, c'est extraordinaire. Et pendant tout ce processus, nous voyons à quel point Dieu rachète, il rachète, il rachète, il rachète. Nous avons déjà vu il y a quelques semaines comment David
Il a commis ce péché avec cette femme, Bathsheba. Comment il était responsable pour le meurtre de son mari, le mari de Bathsheba. David devient meurtrier, il devient adultère. Le pire de tout, c'est qu'il a essayé de faire un cover-up. Il a essayé de cacher son péché. Un minimum de 9 mois, peut-être 10 à 11 mois, coule. Et finalement, le prophète Nathan vient dire, c'est toi l'homme, c'est toi le coupable. Et désormais, l'épée ne sortira pas de ta maison. Presque aussitôt, l'un des fils de David, et nous avons vu ça la semaine dernière, Absalom se lève contre son père, un coup d'état. Chose que l'Israël n'a jamais, jamais vue. Et celui qui est loin de Dieu, celui à travers viendra bientôt le Messie, il subit un coup d'état de quelqu'un de sa propre famille, de son sang et sa chair. Nous ne l'avons jamais vu en Israël, ni avant, ni après. Nous avons vu la semaine dernière comment une guerre civile s'est éclatée en Israël entre des hommes de guerre du nord qui suivaient Absalom et les gens du sud qui étaient toujours fidèles au roi David. En un jour, 20 000 hommes meurent. Quelle catastrophe naturelle, faite par l'homme bien entendu, mais au niveau de son impact sur la nation. Vous imaginez, 20 000 femmes n'ont pas pu dire bonsoir à son mari ce soir-là. Combien d'enfants n'ont pas pu dire bonne nuit à leur papa ce jour-là. Il est difficile d'imaginer un seul foyer en Israël qui n'était pas touché par cette guerre civile. À tel point qu'il est écrit en 2 Samuel 19 et le verset 9. Chapitre 19, verset 9. Et dans toutes les tribus d'Israël, le peuple était en contestation, disant, le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis. C'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins et maintenant il a dû fuir du pays devant Absalom. Contestation et confusion. Mais ce n'est pas encore la fin. David se sauve, il y a eu la guerre, mais après la guerre, une grande dispute se lève entre les hommes loyaux à David et ceux qui étaient d'Israël, les tribus du Nord. Une grande dispute, une querelle. Des cœurs blessés, les hommes emportés par leur déception mutuelle, les uns dans les autres. Vous savez, qui parmi les hommes de David n'avait pas un ami tué par un homme du Nord? Et parmi les soldats du Nord qui sont revenus pour accueillir à nouveau le roi David, mais combien d'entre eux n'avaient pas un ami tué par un homme du Sud? Est-ce que vous voyez le problème? C'était comme un bois vraiment sec, mais qui avait juste besoin d'une petite étincelle. Donc, cette étincelle trouve un messager nommé Sheba. Sheba, c'est un homme malhonnête. Et dans le chapitre 20, verset 1, chapitre 20 et le verset 1, nous lisons ceci. Il se trouvait là, un méchant homme nommé Sheba, fils de Bikri, Benjamite. Il sonna de la trompette et dit, « Point de part pour nous avec David, point d'héritage pour nous avec le fils de Isaïe. Chacun a sa tente Israël. » Et tous les hommes d'Israël s'éloignèrent de David et suivèrent Sheba, fils de Bikri. Mais les hommes de Juda restèrent fidèles à leur roi, et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. Encore, Israël est menacé. À peine quelques jours après une guerre civile, Israël est menacé à nouveau d'une guerre civile. Juste imaginez David maintenant. Il a pleuré son fils. Il a pleuré peut-être lui-même
sachant que Absalom était probablement empoisonné par les propres choix de son père David, que David réalise qu'au fil des années, peut-être il n'était pas le père idéal pour son fils Absalom. Je ne sais pas pour toi. Est-ce que tu as jamais regardé l'un de tes enfants en disant, mais est-ce que j'ai vraiment, où est-ce que j'ai échoué? Où est-ce que j'ai raté le train avec mon fils, ma fille? Honnêtement, je crois que tout parent passe par là tôt ou tard dans la vie. Chaque parent se pose la question, mais comment j'aurais pu faire mieux? Hello? Vous savez, les seuls adultes qui ne posent pas ce genre de questions sont des adultes qui n'ont jamais eu d'enfants. Parle à quelqu'un qui a des enfants, mais qui sont grands maintenant, qui deviennent même, et eux, ils sont grands-parents. Ils ne se prennent pas pour des experts. Les seuls experts sont des très jeunes. Amen. C'est comme un match de foot. Vous savez, les meilleurs experts de foot sont où? Ils sont devant la télé, ils ne sont pas sur le champ de foot, terrain de foot. Oh, quoi, t'as raté ça? Mais comment t'as pu rater ça? Mais t'es débile, toi! N'est-ce pas? Tout est facile quand ce n'est pas toi qui dois le faire. Et on ne comprend pas pourquoi quelqu'un a pu échouer quand quelque chose semblerait si facile et évident. David, mais comment t'as pu pécher? Comment t'as pu faire ça avec cette femme? Waouh! Regarde déjà toutes les femmes que tu avais, toutes les concubines que tu avais, et tu as dû aller chercher la femme de l'un de tes plus grands guerriers. Mais tu es stupide, quoi! C'est facile de faire un tel commentaire, n'est-ce pas? Ah, ne me regardez pas comme si tu n'en as jamais fait. Tu l'as fait, moi aussi, malheureusement. Malheureusement, je l'ai fait. Bon, voilà, Sheba. Finalement, bon, pour faire court, le Joab, le général de David, mais entre guillemets, il ne restera pas général longtemps. Hein. Mais bon, en tout cas, il part avec les hommes vaillants de David, il poursuit Sheba et on lui coupe la tête et le menace est terminé. Et là, on va lire un texte à la fin du chapitre 20 qui, pour moi, est un texte avec tellement de révélations. Lorsque nous lisons ce texte, vous allez dire, mais mince alors, comment je n'ai jamais vu tout ça dans ce texte avant. Mais l'une des plus grandes révélations de toute la Bible se trouve dans ce texte qu'on va lire maintenant. Ok? On va le lire, je vais le lire à voix haute, je ne sais pas si les gars peuvent l'afficher derrière moi, mais si vous avez votre Bible, c'est 2 Samuel, chapitre 20, et on est vraiment à la fin, c'est le verset 23. Écoutez ça, écoutez cette extraordinaire révélation. Joab commandait toute l'armée d'Israël. Benaja, fils de Joada, était à la tête des Caratins et des Pelétins. Wow. Méditons juste un instant là-dessus. C'est extraordinaire ça. Adoram était préposé aux impôts. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Ça me parle. Séja était secrétaire. Tsadok et Abiathar étaient sacrificateurs. Et Ira de Jaïr était le ministre d'État de David. Waouh! Mais quoi, vous ne le voyez pas? Vous ne voyez pas la révélation? Vous me regardez comme... Alors, pasteur, tu t'es trompé de texte, peut-être? Non, mais vous le voyez. Si, c'est si évident, non? Vous ne voyez pas? Il y a quelques-uns qui vraiment qui cherchent... Si, moi je le vois. Pas de problème, pose-moi la question, pasteur. Non, pose à ma femme la question. Non, mais vous savez, vous voyez quelque chose? C'est extraordinaire. En fait, le fait que vous ne voyez rien, ça parle. Vous savez ce qui est absent?
On ne parle plus du péché de David. On ne parle plus du jugement de Dieu. À partir de ce texte-là, on ne parle plus du tout du fait que David était un adultère. Plus jamais. Il n'y a plus de guerre, plus de jugement, plus de tribulation en Israël parce que David a péché. Les conflits internes cessent. Les cœurs se guérissent. Les maisons, les foyers se restaurent. Et Dieu continue son plan. Gloire à Dieu. Parce que dès chapitre 21 jusqu'à la fin, on n'en parle plus jamais. Mes amis, c'est ça, c'est pour moi le plus extraordinaire de tous les textes. Que quelqu'un en qui nous avons placé autant d'espoir, sur lesquels on a eu tant d'attentes, et qui nous a trahi si profondément, il arrive un moment dans sa vie où on dit, OK, c'est fini, on ne parle plus. Le temps de restauration est achevé. Et maintenant, Dieu dit, je proclame la paix sur mon peuple. Et c'est pour ça, mes amis, ce n'est pas anodin que celui qui devient le roi suite à David s'appelle prince de paix, Salomon. Dieu a dit, OK, une chose mal a été faite, nous l'avons traitée, mais maintenant c'est terminé, et maintenant nous allons continuer la vie. Vous savez, ça me parle tellement. Pourquoi? Parce que, en tant que pasteur, croyez-moi, la chose que je vois qui accable le peuple de Dieu tellement, c'est qu'ils encaissent dans leur valise émotionnelle toutes les blessures du passé. Et lorsqu'ils atteignent un certain âge, il faut voir la taille de la valise. Mais c'est gigantesque. Hello? C'est comme la taille d'un grand camion. Et là, il est là, émotionnellement en train de tirer cette énorme valise. Et puis, à un moment donné, un petit hic leur arrive et dit, « Ah, ça casse tout. » Et là, en tant que pasteur, bon, on est parfois inspiré de Dieu pour les donner un petit coup de main, au moins les aider. Et on dit, « Bon, mais ce qui t'arrive n'est pas si grand que ça. Non, je dirais que tu as pas mal dans la valise. Bon, on va juste ouvrir la valise un petit peu et voir ce que tu as dedans. Ah ben non! Ah ben non, touche pas ma valise. Ça va, c'est du passé. Ah ben, pas si loin que ça, hein, du passé. J'ai l'impression que c'est tout frais. C'est même pas dans le congélateur, mes amis, c'est toujours dans le four. Il fait cuire depuis dizaines d'années. Hello. Pourquoi? Parce qu'on encaisse, on encaisse, on encaisse. Il est peut-être difficile pour les jeunes parmi nous de comprendre cet effet sur la vie. Mais ceux qui sont... OK, il n'y a pas de vieux. C'est juste ceux qui sont jeunes plus longtemps que les autres. OK, amen. Pour ceux qui sont les vétérans en jeunesse, hein, vous savez de quoi je parle? Quelqu'un te fait un remarque, quelqu'un te fait un regard, et tout d'un coup, il y a tout un arrière-passé d'ordures qui ressortent dans ton âme. Tu dis, mais... Oh. Pourquoi? Parce que tu traînes tout ça dans ta valise. Tu vois? Et là, on a une énorme leçon à apprendre de la vie de David ici. Il faut apprendre à couper les cordes avec cette pourrie valise. OK, il y en a quatre qui vont recevoir une libération aujourd'hui. Et les autres, est-ce que vous voulez être libérés de cette valise? J'aime trop ce que la Bible nous dit à la fin de 2 Samuel.
Je vais juste citer quelques textes parce que c'est tellement fort. Dans le chapitre 23, voici les dernières paroles de David. Voici les dernières paroles de David. Et encore une fois, vous allez lire combien Dieu l'a délivré, comment Dieu a fait de grandes choses pour lui. Mais une chose dont tu n'entendras pas dans ces dernières paroles de David, il ne parle plus de son péché. Et mes amis, ça, ce n'est pas juste une question de pincer l'éponge. Non, là, c'est plus que l'éponge, c'est l'eau de Javel spirituelle. Dieu, il enlève la tâche. La tâche n'est plus là. Cette guerre civile, c'était l'eau de Javel en quelque sorte. Et Dieu a dit, OK, la tâche, je l'enlève. Maintenant, à toi de couper la corde. Parole de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Là, ça, c'est David qui parle. Tu n'entends pas, oh pauvre moi, j'ai essayé, j'ai fait mon mieux, je t'ai passé. Bon, malheureusement, malgré le fait, il y avait des hommes contre moi, patati et patata. C'est pas ça ce que tu entends. Écoute, est-ce que tu es capable de dire des telles choses? Parole de David. C'est David qui dit tout ça. Je suis un homme haut placé. Je suis loin du Dieu de Jacob. Je suis le chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé à travers moi. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu. Et pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages. Oh, juste continuez. Prenez un temps cet après-midi quand vous rentrez à la maison de lire ce texte, de prendre ta Bible dans ta main et dire, mais écoute, voilà ce que dit David. Alléluia. Lui, David, est tombé dans la nuit profonde par ses propres moyens. Mais alléluia. Au bon matin, mes amis, le soleil s'est relevé. Gloire à Dieu, amen. Il est vrai que le 21 décembre, c'est la nuit la plus longue, mais alléluia, bonne nouvelle, frères et sœurs. La journée commence à regagner la nuit. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, il est le soleil levant. Il n'est pas le soleil couchant. Il est le soleil levant. La gloire s'élève comme un soleil. Et ça continue à briller jusqu'au plein après-midi. Alléluia. Croyez-moi, mes amis, il y a de quoi espérer. Il y a de quoi à espérer. Alléluia. Dieu, il est notre Rédempteur. Il est notre espoir. Lorsque nous voyons dans la Bible le nombre d'hommes et femmes qui ont échoué, ça pourrait être quand même un petit peu déprimant, pasteur Jean-Pierre. Si on parle d'Adam, là, c'est un échec. La Bible dit que par l'échec de l'un, la mort passe et passe à tous les autres. Jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est un gros échec. Amen. Est-ce que tu penses que ton échec était aussi grand que ça? Si on parle d'Abraham, le fait qu'il s'est tardé d'obéir à Dieu, il arrive, famine dans le pays, il descend en Égypte, il prend avec lui une femme égyptienne comme servante. Il va coucher avec elle dans un espoir de faire pour Dieu un enfant. On subit encore les conséquences de cet acte, de cet échec. On parle de Moïse. Moïse, un meurtrier, il a tué un Égyptien. Il se met dans un exil. Mais
il a eu un problème avec la colère, et nous voyons même plus tard, lorsque Dieu dit, parle à ce rocher, l'eau en sortira. Moïse a refusé de parler au rocher, il a frappé de colère. Et Dieu dit, parce que tu as fait ça, tu n'entreras pas dans la terre promise. Si on parle de Samuel le prophète, qui visiblement était mauvais père à ses enfants, on a déjà parlé de David. On peut même parler de l'apôtre Pierre. La nuit où Jésus fut livré, Pierre nie qui le connaît. Quel échec! Quel échec énorme! Celui qui devait être l'homme costaud, il est probablement physiquement le plus fort de tous les 12, chef d'entreprise. Celui à qui toujours le premier a parlé, prêché, c'était aussi le premier à renier Jésus. Il a vécu ça, le reste de sa vie avec ça. Si on parle de l'apôtre Paul, vous imaginez, il mettait les chrétiens à mort. Comment voulez-vous vivre avec ça sur la conscience? Si on parle du pasteur Robert, le plus grand de tous les pêcheurs, ou peut-être on parle du pasteur Jean-Pierre, deuxième plus grand pêcheur, pas le premier, c'est le deuxième. Et si on parle de toi, et si on parle de tes échecs, si on parle des choses que tu traînes dans ta valise jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à où tu vas traîner cette valise? Jusqu'à quand tu vas refuser la délivrance de Dieu et libérer cette valise entre les mains de l'Éternel qui a payé le prix suprême pour cette valise? Penses-tu que tu peux vraiment, avec beaucoup plus de ta propre justice, racheter toi-même les erreurs du passé? Si c'était possible, Jésus ne serait jamais allé à la croix. Mais justement, il est allé. Parce que toi et moi, on n'est pas capable à se racheter nos propres erreurs, nos propres échecs. On n'est pas capable. Combien de temps vas-tu traîner tout ça derrière toi avant que tu te confies à l'Éternel? J'aime trop bien ce texte que j'ai trouvé en Job. Y a-t-il de l'espoir dans le livre de Job? Peut-être c'est justement dans ce livre qu'on peut trouver de l'espoir. Écoutez ce qu'il dit dans le verset 19 et on va terminer. Job 19 et le verset 23. « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites. » Qu'elle fût écrite dans un livre, je voudrais avec un burin de fer et avec du plomb, elle fût pour toujours gravée dans le roc. Verset 25. Car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Wouh! C'est pas mon péché qui se lèvera en dernier, c'est mon Dieu qui se lèvera en dernier. Et ce n'est pas mon juge, c'est mon Rédempteur. Gloire à Dieu. Mes amis, aussi longtemps que tu es prêt à confesser le péché, à tourner le visage vers Dieu, de courir vers son cœur, il ne sera pas ton juge, il sera toujours ton Rédempteur. Mais malheur celui qui meurt dans le péché. S'il meurt dans le péché maintenant, il ne connaîtra Dieu qu'en tant que juge. Parce qu'après la mort, il n'y a pas de rédemption. Il n'y a plus de rédemption. Catherine, s'il te plaît, ma chérie. Il n'y a plus de rédemption après la mort. Il n'y a que la rédemption maintenant dans la vie. Je reviens et on va terminer avec le texte que nous avons lu au début. Psaume 27, verset 13. Ou si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivantes, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel.
Y a-t-il des choses dans ta valise qu'il faut laisser devant le Seigneur aujourd'hui? Y a-t-il des choses dans le passé qui mangent cet espoir que demain sera mieux qu'hier? Aujourd'hui, c'est vraiment le moment, frères et sœurs, pas juste de faire une sorte de petit regard vers Dieu, dans la direction de Dieu, mais c'est vraiment le moment de dire, ok, voici mon cœur. Voici mon cœur. Ici en France, on aime dire, ah, c'est du passé. Oh, on va juste passer l'éponge. Ah, c'est pas grave. Ah, je ferai mieux. Tu vois, c'est ça le problème. Un, on n'est pas prêt à confronter l'échec. On veut l'excuser. Il faut confronter l'échec, mes amis. Regardez-moi bien. Il faut confronter l'échec. Il faut dire, écoute, j'ai échoué. Ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. J'accepte, Seigneur, ta discipline. Mais là, écoutez ça, parce qu'on va terminer avec cela. Il arrive un moment là où il faut couper la corde. Dire, ok, je me suis repenti. Je suis passé par la discipline du Seigneur. Mais là, le jour arrive aujourd'hui. Là, j'ai dit, ok, je n'ai plus besoin de traîner cette valise derrière moi. C'est fini. J'en parlerai plus. Vous m'avez entendu? Je n'en parlerai plus. Et même quant à nous ensemble, quant à notre famille, ne laissez jamais le diable te traîner dans ses accusations. La Bible ne dit pas qu'il ment quand il nous accuse. Mais parfois, ce qu'il va faire, écoutez, ce qu'il va faire, lui, il garde contact avec toutes nos valises. Hello. Lui, il garde contact. Il sait ce qui est dans ta valise. Tout est enregistré, informatisé peut-être. Il a juste besoin de ton nom. Ah, ouais. Ah, tu te souviens quand t'as fait ça, tac, tac, tac. Ah, tu te souviens quand t'as senti ça, tac, tac, tac. Tout de suite, à nouveau, oh Seigneur, comment peux-tu faire quelque chose avec quelqu'un comme moi? Ah ben non, attends. Non, je ne suis pas cet homme. Je refuse de revenir et vivre dans une valise dont Dieu a payé le prix pour me délivrer. Je suis un fils de Dieu, comme le roi David, même mieux. Car Jésus-Christ est mort pour moi. Jésus, il a vu mon péché avant que je l'ai fait. Il a décidé, je me donnerai pour lui. Pour faire de lui, mon fils, un fils de Dieu. Alléluia. Pour l'approcher aux alliances d'Israël, pour le mettre dans la communauté des rachetés. Voici comment je suis aujourd'hui. Je suis un enfant de la lumière, mes amis. Et les choses que j'ai pu faire dans le passé, c'est vrai, je les ai faites. Et je ne suis pas du tout fier. Mais je refuse la honte. Et je refuse la condamnation. Parce que là, cela a été mis sous le sang de Jésus-Christ. Le Père Céleste m'a pardonné de toutes ces choses. Et aujourd'hui, je ne suis plus cet homme. Maintenant, si tu veux parler de cet homme, parle autant que tu veux. Mais ça, ce n'est pas moi. Et je ne vais pas laisser tes paroles déterminer mon identité. J'espère que quelqu'un vient entendre. Je ne vais pas laisser mes échecs déterminer mon identité. Je vais le répéter une dernière fois pour quelques-uns ici. Écoutez bien. Je ne vais pas laisser mes échecs déterminer mon identité. Ouh. Alléluia. Levez-vous s'il vous plaît. Je laisse mon espoir en Dieu
déterminer aujourd'hui mon identité. Amen. On va entrer dans un temps d'adoration. Et pendant ce temps, je vous encourage vivement, vivement, laissez Dieu venir et couper net les cordes de ces valises remplies de tes échecs. Et si au cas où, je parle à quelques-uns ici, peut-être je parle à quelques-uns qui nous regardent par Internet, si tu traînes aujourd'hui la valise de ton frère, ou peut-être tu traînes derrière la valise de ta sœur, il faut aussi couper la corde. Oui, mais bon, ils ne sont pas encore changés. Dieu ne t'a pas confié le ministère de changement. Il t'a confié le ministère de réconciliation. Tu n'as pas le pouvoir de changer quelqu'un d'autre. Tu n'as que le pouvoir de changer toi-même. Amen. Vous êtes là? Donc, si tu traînes aussi la valise de ton frère, de ta soeur, tu coupes aujourd'hui aussi ce cordage. Tu dis, ok, non, ce n'est pas moi de traîner derrière la valise de mon frère. Ça, c'est à Dieu. Dieu, ça, c'est son affaire. Ce n'est pas la mienne. Mon affaire, c'est de l'aimer et de l'amener à Dieu. Ça, c'est le ministère de la réconciliation. Amen. Si jamais tu traînes la valise de quelqu'un ici présente, ou quelqu'un qui va s'attacher à l'avenir dans l'église, ok, tu coupes immédiatement ce corde. Amen. Parce qu'on n'est pas là pour faire ça. Ce n'est pas le ministère. La seule chose que ça va faire, mes amis, c'est de t'empoisonner. Et tu vas laisser la valise de ton frère déterminer ton identité. Tu vas laisser les échecs de quelqu'un d'autre déterminer ton identité. Mais ce n'est pas ta destinée. Ta destinée, c'est de laisser Dieu déterminer ton identité. Alléluia. Levons tous les mains devant le Seigneur. Alléluia. Oh papa, tu es le Dieu de l'espoir. Alléluia. Alléluia. Et Seigneur, je déclare maintenant par le nom de Jésus, l'espoir se lève comme un soleil. Un soleil après un long hiver, une longue nuit. Espoir, lève-toi. Lève-toi dans mon cœur. Dans le cœur de mes frères et sœurs. Lève-toi et porte à chacun de nous les lumières, les rayons de lumière pour pénétrer dans les ombres les plus profondes de nos âmes. Tu brises, Seigneur, les jugs, tu coupes les cordes, tu nous libères de ces valises lourdes et encombrantes pour que nous puissions marcher dans la lumière de l'espérance. Et dans la joie et dans l'allégresse de notre Dieu, à lui l'honneur et à lui la gloire. Oh frères et sœurs, adorons-le. Adorons-le ce matin. Il est là pour nous libérer, pour nous délivrer. Alléluia. Pour toucher les cœurs. Tu vas courir avec les plus jeunes. Alléluia. Tu vas sauter avec les plus légers. Car aujourd'hui est un jour de délivrance pour toi. Adorons Jésus ce matin. Adorons Jésus ce matin.
Oh, prosternons-nous aux pieds de Jésus ce matin. Personne n'est comme lui. Oh, soyez prosternés à ses pieds. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi, Seigneur. Oh, que ça soit notre prière ce matin. Regarde Jésus droit dans les yeux et dis-lui, Seigneur, personne n'est comme toi. Mes délices sont en toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons le proclamer ce matin. Tout mon espoir et toute ma force, Seigneur. Oh, proclamons-le ce matin. Oh oui, pour toujours, Seigneur. Mon espoir, Seigneur. Tous mes délices sont en toi, Jésus. Oh, tout mon espoir. Mais...
Chantons-le une dernière fois, tous mes délices sont en toi, sans la musique. Oui, pour toujours, Seigneur. Vous savez, je crois que le plus grand drame de l'humanité, ce n'est pas de perdre son travail, ce n'est pas de perdre un être bien-aimé, mais c'est de perdre sa relation avec Dieu. D'être séparé de Dieu, c'est le plus grand drame de l'humanité. De passer à côté du plan de Dieu et de penser que tout est foutu, que c'est fichu, que je ne pourrai plus jamais être dans la présence de mon Dieu. Je demandais à l'équipe de suivi de me rejoindre. Aujourd'hui, tu as entendu Dieu te parler. Le Seigneur a peut-être mis les doigts sur tes échecs, sur tes imperfections, et peut-être même qu'il a mis la lumière sur ce que tu te disais dans ton cœur. Tu disais, ça ne pourra plus jamais être comme avant. J'ai été trop loin. J'ai fait trop de mal. Je me suis vautré dans telle ou telle chose et c'est fichu pour moi. Plus jamais ça sera comme avant. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, il y a de l'espoir. Et Dieu frappe à la porte de ton cœur et te dit, oui, ça peut être comme avant. Tu peux te remettre sur les rails. Tu peux te remettre sur cette vie, sur cette destinée que j'ai prévue pour toi. Parce que je suis le Dieu de la restauration. Je suis le Dieu de la deuxième chance, de la troisième chance, de la quatrième chance, de la millième chance. Parce que j'ai un plan pour toi. Et parce que tu es mon fils, tu es ma fille et que je t'aime. Donc si c'est toi, si tu veux te remettre sur les rails, si tu veux retrouver cette vie que tu avais avant, cette vie où tu étais dans la présence de Dieu, où tu faisais de Dieu tes délices, où tu rêvais de la destinée que Dieu avait pour toi, où tu avais hâte de rentrer dans sa présence, d'écouter sa parole, d'écouter sa voix, et tu dis aujourd'hui c'est terminé. Mais Dieu te dit mon enfant, ce n'est pas terminé. Approche-toi de moi. Tu peux avoir un nouveau départ, tu peux tout recommencer. Tu peux tout recommencer, tu peux tout récupérer. Alors venez, si c'est toi dont il s'agit, on va prier avec vous. Et Dieu va faire une œuvre de restauration et te donner un nouveau départ ce matin. Et peut-être que tu te trouves derrière ton ordinateur et ce message t'a profondément touché. Tu dis, c'est vrai Seigneur, j'ai tout gâché, j'ai tout raté.